chers Atlantes et Musico Sapiens, on est toujours là ensemble. On continue sur ce deuxième volet de présentation de mon album Aquarius Aera en préparation. Comme je vous l'ai indiqué, c'est pour février 2013. Bon, j'ai un peu de retard, c'est parti pour mars. Mais vous allez mieux comprendre pourquoi. Et je vous emmène avec moi auprès d'un grand styliste, Mike Silla. Venez avec moi, vous allez mieux comprendre. Mike Silla. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Yes. On est dans l'atelier. Là, tu es dans le labo Optic by Full Dream. By Full Dream. Voilà. On va essayer de le poser en collecteur sur lui, quand même. Tranquillement, hein, tranquillement. Le mettre un peu plus à l'aise et tout. C'est bien parce que c'est le but, hein. C'est aussi de donner la possibilité aux artistes. Chaque artiste qui vient ici trouve sa pièce. Sur des pièces uniques. Exactement. Mmh. Et c'est bien que lui puisse justement choisir une pièce là, tout de suite, là, pour se mettre bien. Et puis ça va le collectoriser, ça va l'amener dans son esprit justement de pouvoir aussi choisir une pièce qui va le porter et qui va porter. C'est-à-dire qu'il va porter une pièce qui va le porter en même temps. Yes. On va essayer de voir un peu là. Je pense qu'il y en a une. J'avais pensé, parce que comme t'aimes le noir et tout, et puis ouais. T'as envie d'une pièce un peu guerrier, voilà. Tu vois, de sentir un peu entre le côté urbain et à la fois guerrier et en même temps spirituel, parce que t'as tout ça en toi, toi. Je vois que... C'est pour ça que je fais appel à toi, je sais. Cette pièce, elle est bonne de gaine, c'est centré, c'est très proche du corps. Parfait. Ça ramène encore une belle énergie là. Hein. Je pense que. Alors pour le tournage et pour les photos de l'album. Hein. Avec exactement comme il faut. Tiens, on va se boire un petit thé à la menthe. Avec grand plaisir. Donc voilà, c'est pour le tournage de la vidéo de Unique qui sera sur Stargate. Je vous en ai pas encore parlé. Stargate, c'est le EP juste avant l'album pour vous aider à patienter. Et en même temps, ce sera pour les photos certaines photos qui seront dans le livret de l'album. Et voilà, vous allez mieux comprendre par la suite. Yes. Yes, un mode téléportation, vous l'avez vu, on a investi dans les moyens à la Star Trek, voilà, de nouveau à 3-5 Studios, pour vous présenter un deuxième morceau, plus loin. Pour la petite histoire, c'est le premier texte que j'ai écrit dans la conception de cet album. On est ici avec Mamen Doubias, le beatmaker de ce son. Pour la petite histoire, Doubias, c'était le beatmaker du titre La Flemme dans l'excellent album de Stay Strauss, fidèle à moi-même. Voilà, vous connaissez le studio, Mamen Les qui gère le contrôle. Et j'essaye de gérer. Ah, mais bon, il gère, il est opérationnel. Et on fait ça bien comme il faut. La MIFA, Tipeee Family, Mamen Tipeee, opérationnel. C'est le poteau depuis les débuts. Et voilà, on gère ça en famille. Donc, on va vous introduire un petit peu plus la suite de l'album.
face du monde dans cette décennie. De Bruxelles à Tripoli. L'amour est bien plus sûr.